Eh bien, bonjour à tous, c'est Draco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite run, c'est parti direct. J'ai pris les armes qui étaient à côté, c'est des petits couteaux de lancer. Avec les couteaux de combat rapproché. Donc là, c'est défier les deux champions de l'aigle. Ok, donc ça, et ça, je l'avais pas fait. Enfin, si, je l'avais fait, mais j'avais pas réussi à aller au. À un boss ou quelque chose comme ça, ou je sais pas, ou je sais plus ce qui s'était passé. Ok, c'est parti. On y va, on va aller au. On va aller aux stats. Donc, bah écoutez, tout le monde, c'est parti, hein. C'est une petite run. Une petite run comme ça. Une petite run comme ça. On va tenter de se faire le boss et de jouer autrement. Enfin, de jouer correctement. Voilà, j'ai pris les couteaux de lancer. Je sais pas ce que ça pourrait faire. La lumière aux créatures, je sais pas. On va aller par là, on va allumer la torche, au cas où il y a des pièces cachées. Ouais, comme je vous ai dit, on va jouer autrement. Hein. On va aller tranquillement, calme. Posez, réfléchis. Ah, tiens, c'est quoi ça? Masse d'esclavagistes? Ben, j'en veux pas. Hop. Et ça, de l'or. Je prends 250 santé max, plus 10% de dégâts. 250% max, plus 10% de dégâts. Allez, offrande 200. Comme ça, on a les deux. Ok. C'est parti. Ah, franchement, pour l'instant, c'est tranquille. Pour l'instant, c'est tranquille, mais ça a peut-être pas duré. Je joue autrement maintenant. Parce que comme ce jeu il est simple en fait. Comme ce jeu il est simple, je joue autrement. Plus 33% à tous les effets de soins. C'est-à-dire, est-ce que ça prend en compte le. Est-ce que ça prend en compte? Je vais voir. Bah, je sais pas. Les effets de soins, je sais pas ce que c'est.
Là, il y a des pièges, là, il y a de l'or. On va passer par là. Voilà. Don de Tamok, 250 santé max. Faveur de Tamok, 25% de trésor trouvé. Bah, offrande 200, ça a l'air d'aller pour l'instant. Franchement, je comprends pas. Parce que des fois, je fais des offrandes 200, ça me met. Ça me rajoute un point. Bon, là, je parie que je vais. Voilà. Ah, parce que peut-être que j'ai fait une offrande 200, ça réduit ma barre. Mais là, je vois que ça clignote, et ça, je m'en étais pas rendu compte avant, ça clignote, donc quand je vais ouvrir la porte, c'est sûr que je vais prendre une malédiction. Je pense que ça va se passer comme ça, hein. Clairement, je pense que ça va se passer comme ça. On va voir. Voilà. Bien que la lumière ait quitté leurs yeux et que leur cœur ait cessé de battre, un résidu électrique continue à courir dans leurs veines. Les ennemis tués ont une chance de déclencher une explosion de foudre après un court instant. Donc ça veut dire faut les tuer de loin, donc j'ai des dagues, donc c'est très très bien. Faut pas oublier ça. Voilà. 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 Ah, l'électricité va loin quand même. Bon là. Ouais. Là, ça s'est mal passé, j'ai pas bien géré. Alors, couteau de lancer, arme principale de jet, ok. Là c'est 16 plus 1, là c'est 19, 20% de chance d'infliger des attaques de feu. Offrande de sang, dague et bréchée, dégâts de base plus 1% par point de perception. Non, je vais prendre les dagues de lancer. Allez, offrande de sang. Et en fait, je sais, il y a quelque chose que je sais pas, c'est que si, les objets qu'on prend au départ sur l'espèce de petit. Sur l'espèce de petite. Attendez. Bon, de toute façon, si je choisis l'un ou l'autre, ça revient au même. Ok. Les armes qu'on choisit au début sur le cercle de pierre, est-ce que ça influe sur les armes qu'on trouve dans les pièces? Ça, je sais pas. Voilà. Ça, je sais pas. Parce que ça veut dire que si tu prends une épée, un pistolet, t'as plus de chances de tomber sur des marteaux. Si tu prends. Je sais pas comment c'est calculé. Je sais pas du tout. Toute chose respire n'est pas forcément vivante. Ok. Toute chose immobile n'est pas forcément. Pas forcément mort. Ok.
Je me suis pris un petit piège. Oh là là, j'ai mal esquivé. Dans la mauvaise direction. Voilà. Marteau, c'est cette arme à deux mains, lourde. Je prends. Comme ça me fait un marteau. Comme ça on a le marteau, on va pouvoir casser des têtes. Hein. Avec le marteau là, ça casse bien des têtes ça, le marteau. Là il y a un piège, attention, là il y a aussi un piège. Là, il y a un piège, hop. Mais il me touche de trop loin. Allez, offre au Dieu. Il touche de trop loin, c'est indécent. C'est indécent, c'est scandaleux, hein. Scandaleux là. C'est quoi ça? Anneau flamboyant relique. Tuer un ennemi enflammé, restaure 1% de santé maximale. Ouais. Ouais, bah je prends. Hein. J'ai de la place. J'ai de la place pour des anneaux. Ouais, encore 1, 2, 3, 4. Ok. Par contre, c'est quoi que j'ai en fait là? Ah oui, ça c'est les... Ok, d'accord. Ah. L'électricité m'a touché. Y'a rien. On passe par là. 1, 1, 2... 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Donc quand je fais 1, 2, j'enchaîne, ça m'enlève un point. Ah bah non. Ok. Alors... Plus 2 en constitution, 4 en dextérition. Chaque dégât subi ne peut pas dépasser 10% de la santé maximale. Les dégâts subis donnent 100, plus 100% d'or. Tu as un ennemi enflammé, restaure 1% de la santé maximale. 2 constitution, 4 constitution. Allez, je vais prendre 4 en constitution. Autant se blinder en constitution, hein. Ok, or. Ah, je suis déjà à 2, donc je vais prendre arme. Je suis déjà à 2 en. Voilà, peut-être même à 3 maintenant. Qu'est-ce qu'une statue sinon la mémoire d'un héros enfermé dans une prison de pierre pour l'éternité? Ok.
Venez, 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 venez! On passe par les pièges, c'est bien les pièges. Ah, je me fais toucher à chaque fois par ça. Puis lui, il est malin, lui. Alors, 43. On va avoir besoin du marteau. On va beaucoup avoir besoin du marteau. Plus 30% de dégâts aux ennemis élites, champions et boss. Ah bah alors là, c'est... Là, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, même si ça... 22 plus 2. Après plus 2, je sais pas si c'est c'est compté comme plus 2 tout de suite ou plus 2 si t'en reprends derrière, je sais pas. Ouais, bah je vais prendre ça. Avec de l'or. Let's go, piège. Hop, champion, c'est parti. Oh, c'est pas trop mal, on est bien là. On est bien, on est bien, on est bien. Kaxtaka, au seigneur des tempêtes. Donc ça, ça va pas le faire. Bon. Faut que je joue bien là. Là je fais n'importe quoi. Ah, j'ai vraiment mal joué hein. J'ai vraiment très 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 mal joué. J'ai fait n'importe quoi. N'importe quoi, vraiment mal joué. Feu céleste. Bien que la lumière ait quitté leurs yeux et que leur cœur ait cessé de battre. Ouais, résidu électrique, ok. Allez, je prends tout. Et après je regarde ce qui reste comme. Ça, ça a l'air d'être des reliques, un calice. Plus 100% à tous les effets de soins. Bah je prends hein, vu que j'en ai pas. Tue un ennemi enflammé et restaure 2% dans densité maximale. Allez, je prends. Je prends, je prends, je prends, je prends, je prends. Ouais. Je suis en train de me poser la question. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans le coin? Non, il n'y a rien. Hein. Donc là, là, il y a du soin, j'en ai pas besoin, donc je prends les armes. Et après, il y a encore du soin. Les ennemis et les pièges gagnent en puissance.
Voilà, eux. Eux là. Attends, 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 je prépare ça, frérot, attends. Ah, c'est pas bon du tout. Revolver Schofield, arme secondaire, non. Dégâts plus 100% aux ennemis affaiblis. Non. Non, je prends rien. Là il y a du soin, là il y a du soin, là il y a stats plus arme et après... Non, c'est pas arme. Ok, je vais prendre ça parce que là, il y a arme. Et si je peux tomber sur un marteau encore plus puissant, eh ben, c'est tant mieux. Je regarde qu'est-ce qu'il y a là, là. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, cette allonge, cette allonge. C'est quoi ça? Ah, je croyais que c'était un piège. Ok. Pas de piège. Ah si, là, voilà. C'est bizarre là, là il jette des jets alors que la dernière fois c'était des tornades. La dernière fois, il jetait les pièges comme ça, jetait des bourrasques devant. Et là, en fait, non, là, c'est un jet de... Je sais pas, électrique ou je sais pas quoi. Ah ouais, j'ai cassé la torche, c'est pas bon ça. Il y a un coffre, enfin une espèce de sarcophage en pierre. Restaure 4% d'incité maximale à chaque fois qu'une porte est traversée. Ok, je prends. Moins 10% de dégâts subis par les champions et les boss. Qu'est-ce que je pourrais changer?
Non, je vais faire une offrande. Ok, c'est nickel. De la bombe. Don Totamok. Don de Yaz, moins 10% de dégâts. Non, plus 10% de dégâts. Ok, bah je vais prendre les deux. Hein. Je vais prendre les deux avec de l'or, tiens. Voilà. Ok, là c'est... Je vais passer par l'arme. Quoi ça? 25% de chance de déclencher automatiquement une parade. Non, je donne, je fais une offrande. Ok. Masse de chercheur, non. H2, non. Arc, non. Donc je sors. C'est peut-être pas mal de faire ça au boss. Mais franchement, au boss, franchement, t'as grave pas le temps quoi. Relique et amélioration. Bah, amélioration du coup. Parce que je sais pas trop c'est quoi amélioration. Amélioration de mes armes du coup. Je comprends pas trop en fait. Abreuvez-vous de la douce fontaine de vie et oubliez son goût de sel. Bon, là faut mieux jouer. J'ai perdu pas mal de vie. Couteau de lancer 22. Feu, dague et bréchée 36, marteau 50. Ouais. Allez.
C'est ce que je comptais justement tomber sur un marteau. Ah, franchement, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Donc là, il y a soin. Soin, allez. En espérant qu'on soit pas blindé de corruption une fois qu'on arrive au boss, parce que là, je suis dans de bonnes conditions quand même. Là, faudra quand même pas pousser. Inconnu. Ah, c'est quoi ça? Y'a un truc au milieu de la pièce qui fait quelque chose là? Non? Allez hop! Allez, un marteau. Je sais pas, qu'est-ce que je fais? Je garde les couteaux de lancer ou je prends une lame? Les crocs venimeux. Non. Non, je reste comme. Je reste. Je prends rien, je prends rien. Là, je suis plutôt vraiment bien. Je suis plutôt vraiment bien. Là, c'était une salle inconnue et c'était pas vraiment extraordinaire. Je reprends une salle inconnue. Il y a un curieux réconfort dans le moment qui précède la mort, quand tout devient clair et que les ombres deviennent refuge. Ok. Ok, tout va bien. C'est une salle de soins, donc c'est très très bien. Et là, on va tomber contre un champion sérieux. Et je pense que c'est je pense que c'est prenable. Je pense que c'est prenable. Faut pas faire n'importe quoi. Mais je pense que c'est prenable. Mais ça c'est pas bon hein. Il fait des attaques. T'es sans cesse en fait obligé d'esquiver. Donc là, maintenant, faut la jouer safe. Ok, c'est pas safe du tout. Invention, vaincre Malok, pâle. La monstruosité, je sais pas quoi. Et coup, BAM! Ok, on a ramassé tout ça. On allume la pièce pour voir s'il n'y a pas des choses intéressantes. Ah, il y a une porte. Il y a une porte. Pourquoi on pourrait pas franchir la porte?
Ce serait quoi le problème? De pas pouvoir franchir la porte, ce serait quoi? Je sais pas. Je sais pas. Du coup, c'est parti. Pourcent, progression 100%. Nouveau record, temps de jeu. 24 minutes, nouveau record. Or ramassé. Or amassé, 3300. Crâne de cristal, 51. Autre jade, 10. Santé restaurée, 5493. Dégâts supplémentaires subis dans les ténèbres. Plus fort dégâts infligés. Parade réussie. Salle parfaite. Offrande d'or. Offrande de sang. Meilleure série de grid kill. Ok. Qu'est-ce qu'ils disent quand ils disent l'inventaire, c'est ça? Et qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'inventaire en fait ici? Statistiques. Ok, ah. Ouais, cool, on se fait le boss en une run. Donc ça, c'est du bon. On s'est fait même pas un boss, on s'est fait deux boss. Deux nouvelles explorations disponibles. Trois nouvelles bénédictions disponibles. Ok. On va aller voir les bénédictions. C'est quoi les bénédictions? Ossature de Tamok. Octroie 5 points de constitution au début de votre exploration et un point de constitution au début de chaque salle si votre santé est inférieure à 50% de son maximum. Ah, il y a arme répouvrée, j'avais pas vu ça, j'étais que sur ça moi. Oh là là, purée. Y a ça. Et ça fait quoi? Restaurer les armes afin de pouvoir les trouver dans le temple. Ah, c'est ça les anneaux de jade. Ah non, mais là le jeu il devient trop facile là, là c'est Ah non, mais là franchement Mais non, mais attendez. Restaurer les armes afin de pouvoir les trouver dans le temple. Non, mais là, c'est carrément trop facile, là. C'est quoi, ça? Pourquoi bannir? Les armes bannies n'apparaîtront plus dans le temple. Ah bah non. Mais du coup pourquoi? Parce que moi je l'ai pas j'avais jamais été ici, je l'ai pas acheté le truc. Je me suis jamais servi du jade. Là je peux choisir qu'est-ce qui apparaîtra le plus dans les Bah le marteau hein. Clairement. Les autels d'armes du hall principal proposent des équipements disponibles avant chaque exploration. Restaurez les autels d'armes pour augmenter votre choix d'armes de départ. Améliorez les autels afin qu'ils puissent offrir des armes de meilleure qualité. Les autels d'armes du hall principal proposent des équipements disponibles avant chaque exploration. Ok, c'est un autel d'armes. Les autels d'armes pour Restaurer les autels d'armes pour augmenter votre choix d'armes de départ. Améliorer les autels afin qu'ils puissent offrir des armes de meilleure qualité. Bah oui. Restaurer les autels et améliorer la qualité des armes de départ. Alors, autel restauré. Ça demande 10. Armes à deux mains. Armes secondaires. Armes principales. Est-ce que vous avez vu ce que j'avais loupé la dernière fois? Non mais franchement. Ah, par contre, les hôtels restaurés, ça fait quoi ça? Amélioration. Restaure le troisième hôtel d'armes. Deux hôtels d'armes ont été restaurés. Bon bah allez, un troisième, hein.
Trois hôtels d'armes ont été restaurés. Ça veut dire qu'au début de chaque partie, j'aurai le choix entre trois hôtels d'armes avant que, au lieu de un, d'habitude. On va aller voir ça. Faveur divine. Faveur divine. Les faveurs divines permettent de renouveler les équipements proposés au sanctuaire d'armes ou de reliques. Débloquez plus de faveurs divines afin d'augmenter le nombre de fois où vous pourrez renouveler les offres pendant une exploration. Après chaque exploration, vous récupérez toutes vos faveurs divines. Les faveurs divines permettent de renouveler les équipements proposés au sanctuaire d'armes ou de reliques. Débloquez plus de faveurs divines afin d'augmenter le nombre de fois où vous pourrez renouveler les offres. Ouais, mais comment on les débloque? Après chaque exploration, vous récupérez toutes vos faveurs divines. Débloquez plus de faveurs divines afin d'augmenter. Ben oui, mais comment on les débloque? C'est moi qui peux faire quelque chose là pour les débloquer? Chaque faveur vous permet de renouveler les objets proposés au sanctuaire d'armes ou de reliques. Amélioration, obtenir une faveur divine supplémentaire pour chaque exploration. 5. Bah oui. Chaque faveur vous permet de renouveler les objets proposés au sanctuaire d'armes et de reliques. Donc, ok, c'est la même chose. Obtenir une faveur divine supplémentaire pour chaque exploration. 10. Bah oui. Du coup, là, j'ai deux faveurs. Ok. Et les anneaux de jade? C'était les armes. Donc. Chaque combo inflige des dégâts d'un élément aléatoire, feu, poison ou foudre. Ça c'est quoi? Crève-cœur, croc de la mort, arme principale, arme de jet. Les projectiles ont une portée étendue et traversent les ennemis touchés. Bah je prends ça. Je prends ça. Ça, je peux pas. Tuer un ennemi lui fait relâcher deux fois plus d'or. Oh, ça coûte 10. Ah ouais, mais c'est avec le pistolet, ok, c'est pas des facultés. Ouais, j'avais oublié ça. J'avais oublié. Bah, franchement, moi je veux des armes de jet. Hein. Je veux des armes de jet, moi je veux des armes de jet. Couteau de dérobade, esquive automatique lors d'une attaque chargée. Bah, pourquoi pas? Ça coûte 5. Alors quoi? Exhumation, débloquer 5 armes approuvées. Réapprouvées? Ouais, approuvées ou réapprouvées, j'ai pas vu. Il faut se rapprocher en un millième de seconde de l'écran. Faut quand même pas abuser là. Le coup final de combo et les attaques chargées interrompt les attaques ennemies. Non, des ennemis ordinaires. Je vois pas les dynamites en fait là. Trouver et équiper cette arme dans le temple pour la révéler. Ah bon? Et moi j'ai pas révélé les dynamites peut-être? Ah on peut aller par là? Oh purée! Oh purée, on peut aller par là. Donc. Ils sont les bombes. Voilà, bombes. Voilà. Les bombes. Ça coûte 5, je prends. Moi je veux les dynamites là. Bon les dynamites elles sont pas par là.
Elles sont où les dynamites? Les dynamites, je les ai trouvées dans le temple, hein. Donc normalement, elles doivent y être là. Ou alors, est-ce que les dynamites, c'est ça? Mais non, ça c'est une bombe incendiaire, c'est pas de dynamite. Ok, voilà. Ok, j'avais pas vu. Donc il y a 4 hôtels d'armes à restaurer. 1, 2. Non, bah là, le jeu il est cheaté là. Oh là là, mais là. Là, c'est ultra cheaté le jeu là. Là, le jeu il est. Ouais. Ultra cheaté, mais les armes de départ, c'est pas non plus. Voilà, par exemple, ça c'est. Voilà, c'est bof. Ça c'est. Bon, ça c'est pas mal. Ça c'est plutôt. Ça c'est plutôt pas mal aussi. Mais bon, le bouclier, ouais, c'est. Non, en plus, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Épée longue brisée. Bouclier endommagé, couteau de lancer. Ouais, là. Griffe émoussée, dague ébréchée, arc de précision. Non. Et non. Voilà. Donc écoutez tout le monde, on se laisse là. Je vous dis bye bye et je vous souhaite le meilleur. On a découvert ensemble un peu les. Un peu bah, ce que j'avais même pas découvert depuis défense avancée, esquive parfaite. Ok, quand t'appuies sur select, mais comment je fais? Ah oui, c'est RB, c'est vrai. Donc pour voir tout ce que j'ai, les hôtels et tout, c'est comme ça. Ok, nickel. Donc écoutez tout le monde, on se laisse là, je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut tout le monde. Bye, on marche et on casse des pots. Sauf les gros pots. Je casse tout. Ah. Salut tout le monde, bye.